Eh bien, bonjour à tous, chers amis, chers membres. Je suis heureux de vous retrouver pour la cinquième et dernière capsule portant sur l'histoire de l'Éthiopie, trois premières capsules, et donc sur la dernière partie de l'histoire des églises chrétiennes, histoire de l'église chrétienne d'Éthiopie. Histoire évidemment palpitante qui nous avait amené des origines à plus ou moins 1270 après Jésus-Christ. Il est temps maintenant de terminer ce long périple avec cette cinquième capsule qui parlera de l'histoire de l'Église chrétienne jusqu'à nos jours. L'exposé sera un tout petit peu plus long, et je m'en excuse par avance, mais je pense que, ayant déjà eu la base portant sur l'histoire de l'Éthiopie, cela peut aller un peu plus vite parce que vous avez les éléments qui vous permettent d'avoir une base solide, une trace, une ligne en la matière. Et donc, si vous voulez bien, on est parti, accrochez-vous. 1270, après la fin de la dynastie des Agwe, comme j'ai dit, qui pendant un siècle et demi a restauré en tout cas l'autorité politique militaire dans la région, on connaît une instabilité politique, une sorte de crise, et c'est finalement Yekumo Amlak, formé justement dans un monastère chrétien, qui renverse l'ancienne dynastie, qui installe la dynastie des Salomis. Le lien évidemment avec l'Église chrétienne est déjà très fort, il l'est encore plus en la matière. Mais par rapport au XIIe siècle, la situation géopolitique a bien changé et c'est compliqué en la matière. L'Éthiopie est maintenant entourée d'une multitude de sultanats musulmans d'un côté, de nations païennes de l'autre, et la menace est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était, au Xe siècle. Le royaume est puissant et il fait des envieux à cause de sa richesse et de sa puissance économique. On sait que les monastères possèdent d'importantes richesses en l'occurrence. Ça se sait, et évidemment, ça fait jaser. Les pressions augmentent de la part des voisins. C'est ainsi que le port de Zela, véritable poumon économique, est menacé. Il y a des tentatives de s'aborder ce port. Et le monde chrétien, même si les contacts ont été repris avec Alexandrie, est tout de même, cette église chrétienne, tout de même fort isolée des autres communautés chrétiennes. C'est à cette époque où l'église chrétienne, qui se sent un petit peu, entourée, se forge une réputation de forteresse et s'identifie d'ailleurs beaucoup plus, c'est un peu paradoxal, mais s'identifie beaucoup plus à l'Ancien Testament. La légende d'ailleurs est la référence à Salomon et la reine de Saba qui auraient donné Ménélique Ier se renforce et ils veulent se donner en tout cas une culture chrétienne propre. Le développement des monastères ne s'est pas arrêté et on voit des structures avec des privilèges de plus en plus importants, des richesses de plus en plus importantes, des structures relativement présent. L'Église poursuit sa christianisation un peu partout au nord, à l'ouest, au sud. Elle dépasse, comme j'ai dit, les frontières du royaume, avec notamment des implantations même assez loin, j'ai dit, dans les territoires. Pour revenir avec les monastères, les tensions deviennent de plus en plus fortes. Elles étaient déjà à l'époque des Agwe, elles le seront encore plus, puisque l'autonomie des monastères commence à faire jaser le pouvoir royal. Au XIVe et XVe siècle, la tension entre les monastères et la monarchie monte d'un cran supplémentaire. Pour le roi, c'est clair, les monastères ont trop de pouvoir, il faut les remettre au pas. Une coercition politique, administrative et un peu militaire va s'exercer entre 1434 et 1468. Dans ce cadre, l'Église ecclésiastique, bien qu'elle ne puisse pas désavouer les monastères, sur lesquels, elle a un lien, d'un certain côté, ne voit pas d'un mauvais œil la mise au pas des monastères, mais d'un autre côté, ce qu'elle craint, c'est que si on met au pas les monastères, l'Église risque de perdre en autonomie. Alors, comme indiqué au XIe et jusqu'au XIVe siècle, on voit l'émergence d'États musulmans, la périphérie du royaume éthiopien, des Salomis, et entre le XIe et le XIVe siècle, la situation est assez compliquée. Il y a d'une part une complémentarité, un échange intéressant, mais il y a des tensions. Seule la force militaire parvient à créer un poids suffisant pour ce royaume par rapport à ces petits sultanats musulmans autour d'elle qui sont beaucoup plus faibles. La première priorité pour le royaume, c'est de sécuriser définitivement le port de Zela, pour retrouver évidemment une certaine richesse, s'assurer une force qui empêchera tous les États musulmans autour d'elle, de l'embêter et en tout cas qu'elle puisse continuer son commerce maritime et terrestre sans problème et sans ingérence.
Elle laisse tranquille les sultanats musulmans et ils parviennent à conquérir donc militairement toute une série de territoires et avec elle l'Église suit évidemment, ce qui nous permet de mettre au pas le paganisme, notamment à l'ouest du territoire, et de réinstaller donc des structures, d'installer de nouvelles structures, monastères et églises en l'occurrence. La christianisation dans certaines cités sont bien présentes, comme Ifat, Dewaro, Balé, qui étaient tantôt païennes, tantôt musulmanes, avec une imbrication un petit peu au début. Au début du XVe siècle, le royaume est à son apogée, commercialement, politiquement, culturellement, etc. Il fait évidemment des envieux. Les États musulmans, les sultanats aux alentours, ne pouvant rivaliser, sont soit neutres, soit vassaux, et payent un tribut pour qu'on leur, entre guillemets, leur laisse tranquille. C'est à ce moment-là, au XVIe siècle, début du XVIe siècle, que le royaume des Salomites prend contact avec les Portugais. Les Portugais pensent avoir trouvé le fameux royaume du prêtre Jean, du prince Jean, mais après une période d'enthousiasme, l'enthousiasme retombe très vite, puisqu'en fait, ils se rendent compte qu'ils se retrouvent face à une église orthodoxe, chrétienne, monophysite, assez forte, dépendant d'Alexandrie. Et c'est donc en ce XVe siècle, avec le contact avec les Portugais et donc avec l'Église catholique, les missionnaires catholiques, que les grands débats théologiques commencent vraiment. On peut notamment citer le fameux concile d'Abra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres conciles avant, mais par exemple, on prend l'exemple du concile d'Abra-Metmac de 1450, qui va mettre fin à la fameuse controverse qui dure depuis des siècles, la controverse des deux sabbats, samedi-dimanche. En fait, quel doit être le jour du Seigneur? L'Église éthiopienne étant fort marquée par les traditions juives, certains penchent pour le samedi, d'autres pour le dimanche. 2 jours, ça fait un peu beaucoup, et donc on essaie de trancher. Mais c'est loin d'être simple. L'Église assure, avec les monastères, la diffusion d'une liturgie, le développement d'un art chrétien d'une tout grande beauté et d'une tout grande richesse. C'est assez joli en matière. Les contacts sont importants avec l'Église chrétienne de Libye et qui parviennent à continuer la christianisation et qui, elle aussi, aura une histoire tout à fait particulière. Mais cela pourrait faire l'objet d'une vidéo, même s'il y a déjà un texte expliquant l'histoire de l'Église de Nubie. On le voit, on a une période d'apogée du royaume éthiopien au XVe siècle, mais cela ne dure pas. On a à nouveau un basculement géopolitique en la matière, une instabilité d'abord politique interne. Certains rois étaient trop jeunes, n'ayant pas l'autorité naturelle, une guerre civile de 50 ans entre 1434 et 1478, tout ça conduit à un affaiblissement militaire et politique en la matière. Et en plus, de nouvelles menaces se font jour, qui évidemment, en cascade, vont retomber sur l'Église chrétienne. Je rappelle évidemment cette fameuse fatwa de l'imam Ahmad ibn Ibrahim et le djihad, lancé entre 1527 et 1543, où l'Empire a failli, je dirais, s'effondrer. Je vous rappelle qu'en 1427, la situation géopolitique a changé, l'Empire ottoman est puissant et appuie le sultanat de l'imam Aman Abrim Ibrahim pour mettre au pas et casser ce royaume chrétien. Alors, l'envahissement du territoire éthiopien eh bien, est assez dramatique, puisque même si les Portugais interviennent dans le Djibouti, eh bien, le territoire, une partie du territoire est conquis. La situation est vraiment difficile pour l'Église chrétienne. Destruction, je dirais, d'église. À votre santé. Pillage des monastères, des richesses des monastères qui sont absolument importantes. Un vol de trésors important, nombreuses richesses perdues, que ce soit des lingots d'or, des biens religieux, etc., avec de l'or, etc. Des manuscrits médiévaux, des enluminures disparaissent. Donc, c'est une partie de l'héritage de l'histoire chrétienne médiévale qui disparaît en fumée. En plus, on voit une islamisation des populations sous le contrôle de cet imam, là où les troupes musulmanes avancent. Et donc, l'Église chrétienne est vraiment mise à mal. Elle cache certains trésors. Mais bon, ça ne se passe pas très très bien. L'Église d'ailleurs ne sait plus à quel saint se vouer, elle risque de voir un effondrement avec le royaume. Les jours sont sombres et, pour information, l'Église de Nubie, elle, à côté, eh bien, s'effondre quasiment pour disparaître par la suite dans les décennies qui viennent.
fort heureusement, le décès du leader musulman en 1543 et les victoires des armées éthiopiennes qui se regonflent à bloc font qu'évidemment le royaume est sauvé et donc l'église chrétienne d'Éthiopie est sauvée aussi. Le royaume est sauvé. Il n'y aura d'ailleurs plus d'attaques d'États musulmans qui reviendront à la fatwa éditée par Mohammed, en l'occurrence du prophète Mohammed. Mais le royaume sera affaibli, l'église sera affaiblie, elle a perdu des territoires, elle a perdu des structures, monastères, églises, etc. Elle a perdu un héritage culturel important et donc c'est loin d'être évident. L'Empire éthiopien du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle est évidemment une histoire tout aussi intéressante. Le royaume chrétien essaie de se rebâtir et l'Église également, puisqu'elle essaie de reconstruire ce qui a été détruit et d'essayer de repartir, re-christianiser dans les territoires où l'islamisation avait eu lieu. Ce n'est loin d'être évident. Parce qu'il y a des résistances. Alors, si du côté musulman, on va dire, les choses se calment, on a vu que l'arrivée des Portugais change un petit peu la donne en la matière. Il y a un échange culturel, un échange commercial, les Éthiopiens restent toutefois prudents, ce qu'ils veulent, eux, c'est des données et des avancées technologiques. Mais pour les Portugais, et pour les autres Européens qui arriveront, en tout cas catholiques, l'idée, c'est de se retrouver par rapport à une église orthodoxe, copte, monophysiste, ça ne leur plaît pas fort et ils essaient de christianiser. Pour tenter la catholicisation du territoire, c'est la Compagnie de Jésus qui, de 1555 à 1603, et puis dans un deuxième temps, de 1603, 1604 à 1662, tentera de catholiciser le territoire en implantant des structures, etc. Mais comme indiqué, ce serait un échec. Malgré la conversion d'un souverain au catholicisme en 1621, l'aristocratie éthiopienne, l'église orthodoxe, rejette catégoriquement la catholicisation du pays. Il y a une guerre civile. Le roi catholique éthiopien, je dirais, est banni. Et le rétablissement de l'église orthodoxe est total. Il y a même d'ailleurs à un moment une rupture avec les Européens durant un moment. Les contacts reprendront avec les Européens qui n'essaieront plus de catholiciser le territoire, ou en tout cas pas aussi massivement. Mais les catholiques, en tout cas les chrétiens européens, ramènent dans leur royaume les polémiques théologiques, des polémiques théologiques au sein de cette Église. Vous vous souvenez évidemment de l'Antiquité, puis de ce qui va suivre, du rôle de Jésus, est-ce qu'il est Dieu, homme, mais plus homme que Dieu, moins homme que Dieu, enfin bref, etc. La Trinité, le Saint-Esprit par rapport à Dieu, qui lui-même par rapport à Jésus, etc. Bref, tous les bazars qu'on a connus durant la Trinité vont évidemment donner de l'ébullition, je dirais, théologique au sein de l'Église éthiopienne, aux grands dames des rois, évidemment, éthiopiens, qui essayent par tous les moyens de calmer les ardeurs, parce que parfois il y a des débordements. L'aspect positif, c'est qu'il y a des contacts entre, artistes, en tout cas un échange culturel très intéressant. L'art occidental perse en Éthiopie, il est repris, et ça donne une culture originale, ça donne un développement culturel, un renouveau littéraire important durant la période de 1632 à 1853. C'est vraiment un moment très important de renouveau culturel, vraiment majeur et absolument magnifique en la matière. Donc, on sait peu de choses ici, mais c'est vraiment le cas. Le royaume repart à la conquête des territoires perdus, l'Église évidemment suit pour parvenir à reconstruire des bâtisses religieuses, etc. etc. C'est tellement une époque somptueuse qu'on bâtit des bâtiments religieux somptueux, cathédrales et autres, qui sont encore visitables actuellement. Mais au XVIIIe siècle, le pouvoir impérial s'affaiblit. Il y a la montée des seigneurs locaux et régionaux, mais l'Église reste au milieu du village, c'est le cas de le dire, et parvient à maintenir les tensions entre les uns et les autres. Elle est tellement puissante qu'en fait, elle structure le territoire et parvient à même acquérir une autonomie, un pouvoir politique encore plus important. Mais, fin du XVIIIe siècle, le pouvoir impérial reprend la main, reprend le pays en main, et l'Église d'Éthiopie, qui avait pris quelques aisances, il faut bien le dire, est remise au pas.
Théodros Ier, nouvel empereur, se lance dans une campagne d'unification nationale en ce début du XIIIe siècle et veut mettre fin définitivement aux divisions théologiques à répétition qui l'embêtent pour revenir à une nouvelle cohésion de l'Église chrétienne. En effet, en ce début du XIXe siècle, mais ça remontait déjà quelques siècles avant, trois grands groupes entraînent des débats sans fin sur la nature, évidemment, divine de différents éléments. On retrouve une polémique fondamentale entre trois groupes qui se s'entrechoquent. Le premier groupe se dit partisan de l'unité, qui confesse l'unité des deux natures divines et humaines de la personne du Christ, ça vous rappelle quelque chose, sans confusion et sans séparation. Un deuxième groupe dit onction. Pour elle, le Christ est devenu Dieu par l'onction et non par rapport à l'incarnation divine du Fils. Ça vous rappelle un petit peu mes exposés quand je parlais un petit peu du marcionisme et de courants qui disaient finalement Jésus est devenu Dieu, c'est un homme, mais il est devenu Dieu par le baptême. Sauf que là, on est au 18e, 19e siècle. Troisième groupe, c'est le Fils de la Grâce. Alors là, c'est compliqué parce que là, je ne suis pas théologien, mais en fait, c'est l'enseignement des trois naissances. En fait, il y a la naissance éternelle du Saint-Esprit, donc lui, il est né de manière permanente, il s'incarne en Jésus. Il y a d'une part une naissance génétique du Fils venant de la Vierge Marie, donc l'aspect humain, et le Saint-Esprit s'incorpore dans Jésus pour lui donner son aspect divin. En gros, c'est ça, ne me demandez pas plus. Bref, c'est une théorie très complexe de l'unité dans la diversité, si je comprends l'expression. Alors, Théodros Ier, lui, il arrive et en empereur, il intervient dans les questions religieuses pour imposer la vision des partisans du groupe de l'unité. Et ça permet d'avoir une unité de la foi chrétienne et donc d'inviter des divisions au sein de l'Église qui l'embêtent profondément puisque ça a des répercussions sur le pouvoir royal. On voit donc l'interdiction des deux autres courants. Soit ça se fait gentiment, soit ça se fait moins gentiment, avec d'ailleurs même des menaces sur les fidèles réticents pour qu'ils rentrent dans leur rang. En gros, on y va à la ramasse. L'empereur devient chef de l'Église, pas de contradiction. Les monastères, les moines sont favorisés dans un certain temps pour évangéliser les territoires perdus au paganisme, etc. Et on y va dans une politique de christianisation dure. On y va. Mais une nouvelle tension apparaît en ce début du XIXe siècle, à nouveau avec l'Église. En effet, l'empereur, est partisan de l'Église lorsque ça lui rapporte, mais il ne veut pas non plus d'un contre-pouvoir trop puissant. Et c'est ainsi qu'il réduit unilatéralement le nombre des membres du clergé, décide de mettre au travail les prêtres, demande même un paiement d'impôts, alors que jusqu'à présent, les églises et les monastères étaient exempts, ce qui évidemment ne va pas toujours plaire. Mais, contre mauvaise fortune, bon cœur, l'Église et les monastères acceptent malgré les tensions. Il faut dire qu'il y a un gros travail de reprise en main des territoires islamisés, même si au niveau du paganisme, ça va mieux, pour eux, entre guillemets, puisque les choses sont mises en place. Mais en ce 19e siècle, un nouveau basculement géopolitique apparaît, puisqu'on a une montée en puissance des nations européennes qui s'accaparent progressivement l'Afrique, en effet. En ce 19e siècle, l'Afrique subsaharienne est répartie entre grandes puissances européennes. La tension des puissances occidentales, la tension entre les uns et les autres, évidemment, entraîne des répercussions sur l'Éthiopie, puisque même si l'Éthiopie veut rester indépendante, on sait que malgré le fait qu'elle s'est modernisée politiquement, administrativement, économiquement et militairement, ça c'est important, on sait qu'il y a deux campagnes militaires au 19e siècle qui feront des débats. Mais les puissances européennes ne parviennent pas à conquérir le pays. Il faut dire que la résistance et les victoires éthiopiennes grâce à la politique de redressement de Ménélique Ier portent ses fruits et l'Église chrétienne est à fond pour le pouvoir royal, devenu impérial. Alors, l'Église évidemment est de plus en plus puissante en Éthiopie et elle en a de plus en plus marre de l'ingérence du patriarcat d'Alexandrie. La puissance de l'Église, éthiopienne, fait beaucoup, alors que l'Église copte, d'Égypte, s'est réduite très très fortement. Ce qu'elle ne veut plus, l'Église chrétienne d'Éthiopie, c'est que Alexandrie avalise les propositions de remplacement des évêques et, interfère dans la jurisprudence religieuse.
La demande d'autonomie de l'Église d'Éthiopienne par rapport à Alexandrie est de plus en plus forte et finalement elle sera acquise en 1926 après que l'Église chrétienne éthiopienne veut entraîner des réformes qui ne plaisent pas à Alexandrie. Elle veut se moderniser, moderniser ses structures et en tout cas ne plus accepter du tout la nomination de ces hauts prélats par Alexandrie. Les tensions entre nations européennes restent toujours présentes, la menace est toujours présente. L'Italie fasciste n'a pas avalé sa défaite, la défaite italienne du XIXe siècle, et pour donner le prestige au régime de Benito Mussolini, l'Éthiopie est envahie et occupée par les Italiens de 1936 à 1941. L'Église chrétienne est restée fidèle à l'empereur et elle le paiera cher. Les fascistes italiens comprennent d'ailleurs que l'Église d'Éthiopie est un lieu de résistance et un lieu de contre-pouvoir. Ils favorisent d'ailleurs les communautés musulmanes encore présentes et entendent fragiliser l'Église chrétienne orthodoxe jugée trop puissante. On connaîtra d'ailleurs des massacres importants par les troupes fascistes italiennes. Ainsi, deux évêques sont assassinés en 1937. Pour faire peur, et le massacre de moines du monastère de Debré-Labynos entraînera un mouvement de libération nationale de résistance par rapport à l'occupant. Les Britanniques libèrent le territoire, je vous l'ai dit, ils remettent les autorités impériales au pouvoir, sauf l'Érythrée, mais ce qui entraînera des difficultés. L'Église chrétienne est évidemment mise à mal, mais elle sort assez affaiblie. Cependant, elle sort de cette période de relatif isolement, si elle s'est détachée d'Alexandrie. Dès 1948, l'Église chrétienne éthiopienne, indépendante, entame un dialogue, plus ou moins indépendante à ce moment-là, entraîne un dialogue dans le cadre, avec les autres églises, dans le cadre du Conseil œcuménique dès 1948, et renoue le contact avec les autres églises chrétiennes orthodoxes, dont celle de l'Église d'Orient, qui pourtant n'est pas monophysiste en la matière. L'indépendance de l'Église chrétienne d'Éthiopie par rapport à Alexandrie est actée en 1959, mais on pouvait dire que déjà en 1926, les choses étaient plus ou moins réglées. On verra d'ailleurs, puisque les choses se sont aplanies, la mise en place d'un secrétariat des églises orientales orthodoxes qui essaie de faire en sorte qu'entre l'Église copte d'Égypte, l'Église éthiopienne, l'Église d'Orient, même s'il y avait des divergences de vue fort importantes, eh bien, il y a quand même des contacts importants. La politique d'expansion du christianisme reprend, mais il y a de fortes communautés musulmanes à l'est et au nord-est du territoire qui sont présentes. En 1974, le dernier empereur est démis de ses fonctions par la population, et comme l'Église est évidemment fort liée, c'est quasiment une religion d'État, eh bien, elle connaît une période extrêmement difficile. Fait un régime militaire, prend le pouvoir, l'Église est mise au pas, elle perd ses avantages, tous les avantages fiscaux qu'elle avait, elle paye comme tous les citoyens, après tout, c'est normal, elle paye les impôts, etc., et elle perd tout son pouvoir d'influence politique à partir de cette date-là. L'Éthiopie devient laïque, devient une république, mais ce régime militaire est assez dur en la matière et finira par s'effondrer en 1991 sous l'impulsion populaire. L'Église, qui était très mal vue par les autorités entre 1974 et 1991, retrouve une certaine liberté, en l'occurrence, mais n'est plus, je dirais, les privilèges de l'ancien régime d'avant 1974 en la matière. L'État reste profondément laïque, je dirais, la République, je dirais, d'Éthiopie, mais l'Église garde encore, il est vrai, une influence morale sur la société qui est loin d'être négligée. En 1921, puisqu'il y a la dépendance de l'Érythrée en 1923, eh bien, l'Église d'Érythrée devient indépendante par rapport à l'Église d'Éthiopie. Quelle est la situation aujourd'hui? Je dirais que l'Église d'Éthiopie reste relativement puissante, la matière. Il y a d'autres cultes à côté, mais en tout cas, en termes, je dirais, religieux, sa plus grande difficulté, c'est de voir la très forte concurrence des églises chrétiennes, des églises protestantes évangéliques depuis les années 90, d'une part, qui fait qu'elle perd des fidèles de plus en plus, alors au fait qu'il y a des athées, bien entendu, en matière. Et il y a en plus des tensions avec un islamisme radical développé sous l'impulsion de l'Arabie saoudite, alors que la communauté musulmane, je dirais sur place, n'est pas vraiment, enfin, beaucoup moins radicale.
ce qui entraîne des tensions comme ça de manière permanente entre courants religieux. L'instabilité politique de l'Éthiopie a fait que, elle est rentrée dans un nouveau conflit et l'Église chrétienne pourrait être affectée par cette situation, évidemment, en la matière. Nous sommes en 2021, il faudra voir comment tout cela va se régler au sein de l'Éthiopie, où à côté d'elle, la Somalie est tombée en guerre civile et en anarchie depuis 1990. L'Érythrée, elle, est un régime fort, quasiment dictatorial, et on connaît même une émigration de la population par rapport à cela. Elle doit faire face, l'Éthiopie, à une communauté qui, elle, veut son autonomie, son indépendance, et on sait qu'il y a eu des batailles en la matière. Qu'est-ce que tout cela va donner? Nous verrons. Ce que je sais, c'est que moi, je termine ici ce très long exposé sur l'histoire de l'Église chrétienne d'Éthiopie, qui a une histoire tout à fait particulière, monophysiste, bien sûr, qui fait suite à l'histoire de l'Éthiopie. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'il y a des redites, en l'occurrence. Cela s'est fait évidemment exprès de ma part, afin de pouvoir mieux prendre en compte les périodes et les grands changements géopolitiques et religieux sur ce pays, trop méconnu, et qui pourtant possède une richesse culturelle immense à découvrir lorsque la pandémie de COVID-19 voudra bien, en tout cas, s'arrêter. Pour l'anecdote aussi, il y a aussi une communauté catholique en Éthiopie, mais elle est très minoritaire en l'occurrence. Il y a également d'autres orthodoxes, d'autres inspirations, mais je dirais que l'Église chrétienne éthiopienne reste relativement puissante. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Il ne me reste plus qu'à trouver d'autres sujets de conférence, mais je crois que les choses ne manquent pas. Mais il faudra me laisser un petit peu de temps pour pouvoir cogiter tout cela, mettre en musique, si vous le voulez bien. En tout cas, ça m'a fait grandement plaisir de vous parler de ce sujet qui complète les autres sujets en la matière. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.